ricettina da smallo, pasta e patate. Alcuni ingredienti potete non metterli, come il prosciutto, del jambon. Ma mangio le veganese, ma voi potete non metterli. Adesso vi presento gli ingredienti. Semplice, semplice, meglio una volta. Allora, pasta e patate. Due patate, logicamente noi facciamo una quantità per una persona. Dei spaghetti che vanno spezzati, un dado, dei pomodorini, una cipolla. Però comunque se avete un brodo vegetale già fatto, potete inserirlo. Io non ce l'ho, quindi brodo vegetale non c'è e non fa niente, non ce ne frega niente. Quindi andremo a mettere anche della provola o mozzarella, quello che volete voi, però sì, se mozzarella fumé, e moi je vais mettre le jambon. Potete mettere il prosciutto se non amate o non lo potete mangiare, potete anche evitare il prosciutto, non problem. Ok, la preparazione. Prima operazione da fare, bouillon. Lo andiamo a mettere, lo andiamo a sciogliere in acqua già bollente. Donc, dans l'eau chaude. Maintenant, nous allons aller à couper les pommes de terre à petites pièces. Allora, ragazzi, andiamo a incominciare. Prima di tutto, assicuratevi che si è sciolto il nostro dado. Un po' di jambon, pour qui aime le jambon, ma chi ne vuole pas de jambon, ne ha pas de problema. Mi serve per donare un po' di grasso. Allora, qual? Huile d'olive. Un po' di huile d'olive. E noi allora cominciamo a mettere le pomme di terra. Voilà, un po' mise le pomme di terra, un salato un po'. Voilà, un sasso tu. Quando will, salato bassi un po'. Pronto, voilà. E noi allora facciamo una cottura di 4 minuti, come sa. E après noi allora mettere l'oignon, noi allora facciamo un minuto di cottura, un minuto e mezzo di cottura. E après noi allora cominciamo a mettere le bouillon. Per chi non fa il jambon, ma per chi ama il jambon, avec l'oignon vous allez a fare brûler un po' le jambon, che dona le graisse alla pâte, che è magnifico. Ma il y a des gens che non può pas mangiare du jambon, o non vuol pas de jambon. Voilà, j'ai ajouté un peu de sel et un peu de poivre. Voilà, adesso andremo a inserire l'oignon. Come vedete è tagliato a pezzi un po' più grandi, perché a me piace sentirlo. Voilà, e adesso un po' di jambon. Voilà, ragazzi, l'odore che esce, ah, è qualcosa, eh?
Allora, facciamo un po' rosolare il prosciutto e cuocere bene le cipolle. Facciamo un pochettino più lavorare. Non vi preoccupate di questa parte bruciata delle patate, si toglie quando mettiamo il nostro brodo. Voilà, nella totalità sono passati 5 minuti, aggiungiamo il nostro brodo. Aggiungiamo una bella quantità e aggiungiamo un po' di prezzemolo per sil e le tomate. Salato un po' e noi salò per un cottura di 10 minuti, ok? Après noi salò mettere la pata. Voilà, allora sono passati 10 minuti, niente, noi salò mettere la pata, le spaghetti come voi avete visto. J'ai coupé à la main, mais ça c'est une quantité pour une personne. Alors maintenant, vous pouvez ajuster un peu de eau de provola. À Paris, ça s'appelle mozzarella fumée. C'est un peu difficile à la trouver. Bon, regardez, les pommes de terre sont déjà cuites. Donc nous allons en mettre. La pâte. Alors, ça, jamais vous doit tourner la pâte. Quand le bouillon va terminer, vous allez en mettre un peu de bouillon. Voilà. Maintenant, jamais plus vous doit tourner pendant la cotture, que c'est près 12 minutes. Cette qualité de pâte, c'est un peu plus long, parce que c'est une qualité mieux. Donc, jamais tourner, et vous allez la cuire pour 12 minutes, combien la cotture de la pâte, et vous allez ad ajouter un peu de bouillon. Quand vous allez regarder que le bouillon est prêt à terminer dans la poêle. Ce sont l'eau de la provola. C'est magnifique parce que ça c'est un fromage italien magnifique. Nous allons en mettre encore un peu. L'eau de la mozzarella fumée, c'est super. Mais si vous voulez avoir un plat mais magnifique, alors à la fin vous allez en mettre un peu d'huile de truffe. Oh, comment je vais faire moi à la fin, hein? Je vais en mettre un peu de sel à la truffe parce que de l'huile à la truffe j'ai pas. Mais ça c'est spatial. C'est génial, c'est magnifique, mettre un peu de huile à la truffe, mais à la fin, quand vous allez en mettre tout dans le plat, juste un peu d'huile et de basilic. Magnifique, voilà. Comme vous allez regarder, je vais en mettre, mais je ne tourne pas. Hein. Voilà. Alors, comme vous regardez, la crémosité, la pâte commence à se cuire. Alors, maintenant que vous avez manqué quelques minutes, cherchez d'éviter de mettre trop d'eau. Pourquoi? Parce que sinon, ça devient trop liquide. Si vous voulez plus ferme, alors vous allez chercher d'éviter de mettre
lo bouillon, l'eau de la mozzarella, ça va. Voilà, donc nous allons faire terminer la couture de la pâte comme ça. Il manque 4 minutes près. Et après, nous allons ajouter la mozzarella, le parmesan, le basilic, la truffe, etc. Voilà, regardez. Regardez la crémosité. Hein? Alors, ça, c'est prêt. Maintenant, nous allons à mettre la provola ou mozzarella fumée. Et nous allons à tourner avec un courrier. Et ne m'imaginez pas l'odeur, de quelque chose. Mais vous ne voulez pas mettre d'un peu de parmesan. Le parmesan, c'est obligatoire. Parmesan, et nous allons tourner une autre fois un peu de sel à la truffe, c'est uniquement pour l'odeur, mais si vous avez l'huile à la truffe, c'est mieux. Et ça, la truffe avec la provola, c'est quelque chose de unique, et la truffe avec aussi les pommes de terre. Un peu de basilic. Prêt. Vous allez juste à couper un peu à la main. Voilà. Vous tournez une autre fois. Un odeur garçon, un odeur magnifique. Voilà, dame. Voilà, piatto terminato. Essayez à la faire. C'est magnifique. Pour qui n'aime pas le jambon, mettre pas le jambon. Pour qui aime le jambon, mettre le jambon. Bon appétit à tout le monde. Bye bye.